Salut, je m'appelle Gaëlle et je suis votre hôte. Bienvenue sur Lingua Talk Slow French. 99% of this podcast is in French, but I will be speaking slowly, so that if you only have a basic level, you will be able to understand a lot of what I'm saying. Have an intermediate level? Simply increase the playback speed in your podcast app. Each week, you will improve your French whilst also learning about French culture, society, history and much more. If you go to languagetalk.com/frenchpod, you can read an interactive transcript of this episode as you listen. Here you can explore the sentences you didn't understand and learn the vocab. Now, let's switch to French. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lingua Talk Slow French. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série incroyable. Une série qui fait le buzz sur Netflix, Lupin. Si vous n'avez pas commencé la série, ou si vous êtes en train de la regarder, pas de panique. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Dans cet épisode, nous allons d'abord parler de l'inspiration de la série, les livres d'Arsène Lupin. Puis, je vais vous expliquer pourquoi j'ai beaucoup aimé cette série et pourquoi je vous la recommande. Bonne écoute. Le titre de la série, Lupin, est une référence au livre écrit par Maurice Leblanc, qui raconte, ça veut dire to tell, donc qui raconte les histoires d'un homme, Arsène Lupin. Maurice Leblanc est un auteur français qui est né en 1864. On l'appelle le Conan Doyle français. Vous allez comprendre pourquoi. Il a écrit le premier roman, novel, avec le personnage d'Arsène Lupin. Personnage, ça veut dire character. Donc il a écrit le premier roman avec Arsène Lupin en 1905. Le titre de ce roman, c'était Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Et en anglais, on a traduit ça par Arsène Lupin, Gentleman Burglar. Donc, un gentleman qui vole, steals, des choses. Alors, quelles sont les caractéristiques de Lupin? D'abord, c'est un gentleman, c'est-à-dire qu'il est riche, éduqué, bien habillé, avec de beaux vêtements, et il évolue dans les milieux aristocratiques. Ça veut dire qu'il participe à des événements comme des fêtes dans la haute société, avec des aristocrates. Mais Arsène, c'est aussi un cambrioleur, donc un burglar. Il adore voler les gens riches et la police n'arrive jamais à l'attraper. Il est extrêmement intelligent et rusé. Rusé, ça veut dire smart or cunning. Il se déguise, ça veut dire il change ses vêtements, ses cheveux, sa barbe. Par exemple, il se déguise en vieil homme ou en policier. Et il est très doué, talented, pour le combat, pour se battre et pour échapper à la police. To escape the police. Mais il a un sens moral très fort et il refuse de tuer. Ça vous rappelle quelqu'un? Un homme blanc, très intelligent, très doué pour se déguiser, pour se battre, pour résoudre des énigmes et qui adore jouer avec la police? Eh oui, c'est comme Sherlock Holmes. On peut dire que Arsène Lupin, c'est un peu le miroir inversé de Sherlock. D'ailleurs, Maurice Leblanc a écrit un livre qui s'appelle Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Oui, pour des raisons légales, il n'avait pas le droit d'utiliser le nom de Sherlock. Voilà pour la présentation des livres. Passons maintenant à la série. J'ai adoré cette série pour plusieurs raisons, mais je peux les résumer en 4 points. Première raison, c'est le choix des acteurs. L'acteur principal s'appelle Omar Sy, il est français, noir et très célèbre. Célèbre, ça veut dire famous. Donc il est très célèbre en France et un peu célèbre aux États-Unis.
J'adore le fait que le personnage principal, the main character, soit noir. Parce que, en France, le monde du cinéma est très blanc, avec des acteurs blancs, des réalisateurs blancs, des producteurs blancs. Mais la société française n'est pas seulement blanche. Il y a une grande diversité en France. Il y a beaucoup d'origines différentes. Et c'est bien, vraiment bien, de le voir à l'écran, on the screen. Donc il y a Omar Sy, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres acteurs pour les rôles secondaires et ils sont aussi d'origines diverses. Donc la série représente bien la diversité française d'aujourd'hui. La deuxième raison, c'est l'histoire. Pour une fois, ce n'est pas l'histoire d'Arsène Lupin, mais l'histoire d'un homme noir français qui s'appelle Hassan Diop. Et Hassan Diop, il s'inspire, il utilise les livres d'Arsène Lupin dans sa vraie vie. Il se déguise comme Arsène Lupin, il s'échappe comme Arsène Lupin, mais il n'est pas Arsène Lupin. Et ça, c'est original. La troisième raison, c'est que la série donne une image moderne et réaliste de la France. On a déjà parlé de la couleur de peau des acteurs, mais ce n'est pas tout. Par exemple, la série parle de manière subtile du racisme en France. Aussi, le personnage d'Hassan Diop est loin des clichés qu'on associe souvent aux hommes noirs en France, comme la drogue, la violence, la pauvreté. Et enfin, la quatrième raison, c'est que cette série fait découvrir Maurice Leblanc et son personnage à des Américains, des Anglais, des Russes, dans le monde entier, quoi. Les gens recherchent sur Internet, ils veulent savoir si Arsène Lupin est une vraie personne et ils découvrent les livres. Donc, grâce à cette série, la culture française se diffuse et on découvre un excellent auteur du XXe siècle. Voilà, c'est presque la fin de ce podcast, donc faisons un petit résumé à vitesse normale. Okay guys, so now I'm going to do a quick summary of what I've just said, but at a normal pace, the one I will use in real life with my friends. So hold on tight and stay with me. La série Lupin s'inspire des livres de Maurice Leblanc et de son célèbre personnage Arsène Lupin, un gentleman cambrioleur. Les livres ont été écrits au début du XXe siècle, mais la série est une adaptation moderne, avec comme acteur principal Omar Sy. Je pense que c'est une très bonne série, parce qu'elle montre une image réaliste de la France, elle a de très bons acteurs et une histoire originale autour du personnage d'Hassan Diop, un homme noir fasciné par les histoires de Lupin. Cette série est très populaire dans le monde entier. Elle fait le buzz. Alors, faire le buzz, c'est une expression, et ça veut dire que c'est très populaire, que ça a beaucoup de succès. Donc, si vous n'avez pas encore regardé Lupin, vraiment, je vous le recommande. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses intéressantes. À bientôt pour un nouvel épisode. Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguageTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out LanguageTalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at LanguageTalk.com/FrenchPod. Try noting down some vocab as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend, or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine!